All power to the people. 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 Latino asiático. Un movimiento por la liberación de Tirmo, saber cómo se que se por de demandar a la Université Blanc un espacio de producción intelectual autónomo, de histoire y así epistémico, de le comité colonicé al interior del Imperio americano. Por producir de pensar crítico por la liberación de Peuple. Paso el men al interior de los Estados Unidos, sí, por el tiermo. Entonces, on se consigue con el tiermo al interior del primer mundo. ¿Bien? Entonces, la 30 años después, y un otro gref, la año 99, pasa que pendan le 30 años entre 69 99, y son en tren de coupé todas las plazas de prof. Si un prof se va a la retraite o es muerto o déménage en otra universidad, y no reemplace la posición. Entonces, irá un otro grefe, porque son en tren de destruir el departamento. Y con ese grefe, una conquista 12-15 plazas de prof por continuar con el proyecto de Tudernic, la grefe de Sassanet. La demanda por un faculté de liberación de Guillermo esa en la Rusia, en la Rusia va a un departamento. El nombre fue negociar el nombre, porque le blanc no parle el nombre. Entonces, fue negociar el nombre por Department of Ethnic Studies. Pero las cosas que hace al interior es de pensar de colonial. On est toujours en lutte. Llega a clarificar eso de but, porque je ne veux pas. Que vous sortez de la salle et dites, wow, les Américains sont très ouverts. Il laissait quelqu'un comme Ramon de dire des choses comme ça. T'as vu? Non, on a conquis l'espace. C'est pour ça. On a conquis l'espace avec des luttes. C'est pas qu'un matin, les Blancs, ils sont réveillés, ils sont dit, oh, il faut ouvrir la place, l'espace de l'université à les sujets colonisés, etc. etc. Non, ça ne se passe pas comme ça, jamais. Donc, c'est comme ça qu'on est là. Okay? Et la deuxième réaction, peut-être que, comment est-ce que Ramon dit tout ça, mais il est à l'intérieur de l'Empire. Mais je ne disais pas d'être à l'intérieur de l'Empire. Je suis colonisé à l'intérieur de l'Empire. Je suis de une île, Puerto Rico, qui est une colonie américaine jusqu'à aujourd'hui. Je ne décidais pas. Je suis à l'intérieur de l'Empire. On est à l'intérieur de l'Empire. Il y a beaucoup de population aujourd'hui à l'intérieur de l'Empire que nous sommes des sujets colonisés. Parce que los Estados Unidos son aussi un empire colonial y son colonizados todos los territorios de beaucoup de peuples là-bas.
Iliad de Población Pacto de Menon Leblanc y son en tren de devenir un minorité demográfico. Hace quelques shows al interior del empire. Iliad de potencial. Je dis de potencial. Y para que esa va a être una solución en su amenda. Porque para que con Petro sí colonice la tête. ¿No? Y tú puedes jugar un presidente noir que fait le travail de la supremacía blanca. Tú puedes jugar eso. ¿No? Ese se de ya pasé. No fue para especular, se de ya pasé. Le projet de colonial se por la decolonización de Mon, por la decolonización del empire américain al interior del empire, una de luz por la decolonización. Ça n'existe pas dans la une del journal de Jour, c'est ça que ça c'est des choses que ne sont pas parlées dans les médias, ¿no? Son des choses que n'arrivent pas. Ah, sí. La deuxième chose, c'est que la grève, il faut dire, la grève de l'année 69, c'est une grève de 9 mois. L'étudiant blanc, ils sont pendant presque 10 jours, 10, presque 10 ans, ils sont de démonstration contre la guerre de Vietnam, pour le free speech movement. Des choses comme ça, ils ne sont jamais battus par la police. Okay? Les étudiants noirs, indigènes d'Amérique, latino, asiatique, indien américain, etc., nous fait une grève pour demander des structures de connaissance à l'intérieur de l'Université Blanc. Ils sont mobilisés par la police de le campus, par la police de la ville de Berkeley. Ils sont mobilisés la garde nationale de la Californie. Ça veut dire que c'était très violent, ces grèves. Il y a 9 mois qu'ils nous sont battus tous les jours, prisonniers tous les jours, c'est quelque chose, pendant 9 mois. Okay? C'est important de dire tout ça, parce que c'est pas qu'on est là parce que l'Amérique est un espace ouvert ou parce qu'on est. On a quelques privilèges, je ne sais pas quoi. On est là parce qu'on a gagné l'espace. Bien? Et on est en train de lutter pour maintenir cet espace. Parce que chaque fois que on va, si vous allez dormir, quand vous réveillez, ils sont tombés tôt. Ils sont tombés tôt. Okay? Vous comprenez? Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le français, c'est mon quatrième langue. Donc, je ne parle pas bien. J'essayais de faire quelque chose que je peux, mais ce n'est pas mon premier langue, c'est la quatrième langue. Jerachise, c'est la dernière langue que je parle. Mais ce n'est pas la meilleure langue que je parle. Donc, dans les espaces universitaires de l'université occidentalisée, et dans l'espace épistémique de la gauche occidentalisée, pour moi c'est presque la même chose, on peut voir que les espaces de pensée épistémique dans l'université occidentalisée, mais c'est la même histoire avec la gauche occidentalisée, j'ai dit occidentalisée, je ne dis pas occidental, j'ai dit occidentalisée, parce qu'aujourd'hui, la université occidentalisée existe partout. C'est une structure de pouvoir global que avec la expansion coloniale européenne a été mise partout. Donc, si vous allez à un cours de sociologie, par exemple, dans l'université occidentalisée, et vous entrez dans la salle d'un cours à Bruxelles, à Brazzaville, à Rabat, à Rio de Janeiro, à New Delhi, vous allez lire les mêmes mecs. Okay? Vous allez lire les mêmes mecs. Ils sont des hommes blancs européens de 100 pays. N'importe pas si vous êtes dans quel pays cette structure. C'est pour ça que je parle de l'université occidentalisée. Il est partout. Dans cette structure, toute l'épistémologie, c'est le fondement, c'est
on the same país, Italia, la Francia, la Alemania, la Inglaterra y los Estados Unidos. Okay. Même al interior de ce qu'on appelle l'Occident, ils ne sont pas inclusifs. Okay. Parce que vous jamais va trouver là des penseurs, par exemple, même des hommes de l'Espagne, ou de, de Portugal, ou des autres parts de l'Europe. Bien? Ils sont toujours les mecs de son pays. Dans tous les espaces disciplinaires de l'université occidentalisée. Mais c'est la même histoire avec la gauche occidentalisée, c'est la même histoire. Bien? Dans cette structure épistémique, cette structure, si on fait de la mathématique, de 700 pays, ils sont les 12% de la population mondiale. 12. Okay? 12. 12% de la population mondiale. Et la théorie scientifique, sociale, philosophique, etc., etc., toujours vient de quelques expériences socio-historiques, sociales et historiques. Il ne passe pas. C'est pas des choses qui arrivent dans la tête de quelqu'un isolé de moi. C'est toujours des théories. Chaque théorie a quelques générations avec une problématique sociale historique. Donc ça veut dire que la théorie sociale, la théorie scientifique, la théorie philosophique, historique, etc., etc., ils sont produits à partir de l'expérience socio-historique de son pays de moi. Son pays de moi. Même les fans de les pays ne sont pas compris dans cette structure épistémique. Ils ne sont pas compris. Ils sont exclus de ça. Même les fans de les pays. On peut voir que. On peut dire que ce n'est pas 12%, c'est 6%. Parce que si ce sont des hommes de les pays, c'est la moitié de la population. Donc c'est les 6% de la population de mots donnés. La théorie scientifique pour comprendre tous les restes du monde. Même si l'expérience socio-historique des restes du monde, ce n'est pas la même. La prétention, c'est qu'ils sont des êtres universels, qu'ils sont les seuls qui peuvent produire des connaissances pour faire des travaux de scientifiques par tout le monde. Donc, la rhétorique, c'est qu'ils sont d'être universel, qu'il faut les apprendre. Apprendre très bien ces théories, ces théoriciens, pour les appliquer dans autres expériences socio-historiques. Même s'il y a un décalage entre l'expérience socio-historique des autres pays, par rapport à l'expérience socio-historique de les autres pays. Mais la théorie qui a émergé de l'expérience socio-historique de son pays, en particulier des hommes de son pays, a la prétention d'expliquer tout. Bien? Et ça passe partout. C'est une structure de pouvoir mondial. C'est une chose très, très forte. C'est pas une chose. Si vous voulez réussir dans cette université, il faut que vous appreniez très bien les mecs de son pays, les théories des mecs de son pays. Sinon, vous êtes dans un problème. Vous ne pouvez pas terminer le doctorat, vous ne pouvez pas terminer une maîtrise. Il faut maîtriser les auteurs de les pays. N'importe quelle discipline vous êtes. Bien? Bien sûr qu'il y a des profs ici et là qui font un effort individuellement dans quelques disciplines de mettre là des auteurs femmes et hommes des autres expériences géopolitiques du monde, des autres sociétés, des autres expériences historiques, des autres perspectives épistémiques aussi différentes à les Européens, à l'homme européen. Bien sûr que ça passe. Il y a des profs ici et là qui essayent, à l'intérieur de cette structure, qui essayent de faire des autres choses. Mais ça, ce n'est pas la norme. Ça, c'est la règle qui confirme la norme. Donc, c'est très fort. Et la question que je voudrais poser,
traducción que yo creo que posee es cómo es que un ángel vela la cesa separatural. Mira aquel que ellos capaz de esa separatural. Cette histoire, cette structure, je l'appelle racisme, sexisme, épistémique. Racisme, sexisme, épistémique. Okay. Pourquoi racisme, épistémique? Parce que la université occidentalisée, inférioriser toute l'épistémologie de l'hégémon. Ils ne sont pas considérés comme égal. Ils sont inférieur parce qu'ils sont particularistes. Les pensées de l'homme occidental sont universelles. Parce qu'ils sont d'être universels. Les autres sont particularistes. Écoute, c'est la rhétorique. J'ai répété, on peut rigoler de ça parce que c'est, mais c'est très sérieux parce que c'est comme ça que le monde marche. Jusqu'à aujourd'hui. On est là dans le 21e siècle et on est encore avec cette structure. Que c'est raciste et sexiste, parce qu'il exclut tous les femmes de monde. Les femmes de monde, ils ne sont pas compris dans cette structure. Donc, comment est-ce qu'on arrive là? Comment est-ce qu'on arrive là? Et c'est ça la question que je voudrais discuter ou présenter ici. Et c'est pour ça que je vais aller maintenant à l'15e et 16e siècle. Et s'il vous plaît, un peu de patience, parce que ça va paraître que je suis perdu dans le sujet. Oui, vous allez voir, mais on va arriver. On va arriver. Avec un peu de patience, on va arriver. OK? Mais ça va être un détour pour comprendre comment est-ce qu'on arrive là. Bien? En français, pour moi, c'est parce que c'est difficile de synthétiser des choses. Mais je voudrais parler de trois génocides épistémiques. Génocide, destruction de population, de tuer la population. Épistémicide, destruction de connaissances. Et je vais parler de la conquête de Al-Andalus. Vous connaissez Al-Andalus, le sud de l'Espagne a été de civilisation musulmane. Et je vais parler de la conquête des Amériques. Et je vais parler de la conquête des femmes. Okay? Sont trois génocides épistémiques qui sont passés à même temps dans le long 16e siècle. Entre 1450 jusqu'à 1650. 200 années. Dans ces 200 années, vous avez des trois génocides épistémiques qui sont très importants. Je vais commencer par la conquête d'Al-Andalus. Okay? Vous comprenez le mot épistémicide? Et génocide. Épistémicide. D'épistémologie. De connaissance. Votre connaissance est détruite. Votre bibliothèque est brûlée. Fini. Yeah? Destruction. Dans la conquête, ils sont détruits toutes les bibliothèques. Yeah? Je vais parler de ça. C'est épistémicide, destruction de connaissances. Et destruction, génocide, destruction des humains. Comprenez? Le mot. Épistémicide, génocide. Dans la conquête de trois conquêtes qui sont passées pendant le même moment. Okay? Mais avant de commencer à parler de la conquête d'Al-Andalus, il faut un peu parler, un peu très brièvement, sur qu'est-ce que c'est Al-Andalus par rapport à qu'est-ce que c'est l'Europe chrétienne de l'époque. Il faut comparer un peu. Parce que sinon, on dit la conquête d'Al-Andalus, la destruction d'Al-Andalus, ça veut dire rien. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce qui a été détruit et qu'est-ce qui a été remplacé, vous comprenez?
Donc, il faut dire quelque chose sur ça, avant de continuer. Il faut dire que la christianité comme spiritualité, au début des premiers quatre siècles, après Jésus, on dit Jésus, après Jésus, on a la spiritualité chrétienne, quatre siècles. Bien? Et la spiritualité chrétienne, c'est un mouvement anti-impérialiste. C'est un mouvement contre l'Empire romain. C'est pour ça qu'ils sont crucifiés. Jésus et beaucoup d'autres qui sont crucifiés de chrétiens. Parce qu'ils sont des mouvements anti-impérialistes contre l'Empire. Okay? Après, on a des narratifs très différents parce que quand l'empereur Constantin, les quatre cycles, dans les quatre cycles après, l'empereur Constantin a fait quelque chose qui est très important pour notre monde aujourd'hui, que c'est que quand il ne peut pas lutter contre le mouvement chrétien, il adoptait l'idéologie chrétienne. Donc c'est un tournement, parce que le chrétien, qui est une spiritualité, des choses comme ça, a devenu une idéologie d'État de l'Empire romain. Il a devenu l'identité de l'Empire romain. Bien? Mais pour faire ça, il faut changer la théologie. Et c'est ça que Constantin a réussi à faire. Il a changé la théologie. Ils ont commencé à parler de la Trinité, que ça n'existait pas avant, dans le christianisme temprano, el cristianismo temprano. Le testament. The early Christianism. Du premier temps. Oui, le cristianisme premier temps. À l'origine. À l'origine, n'existe pas l'idée de Trinité. Ça n'existe pas. Okay? À l'origine, ça n'existe pas. Et donc, il met en place l'idée de la Trinité. Que je n'ai pas le temps d'expliquer, vous le connaissez déjà. Donc, l'idée de la Trinité a posé un dualisme qui n'existe pas avant. Avant, il y a l'idée d'unicité. Okay? L'idée d'unicité différente, mais toutes les différences sont à l'intérieur d'une unicité. Okay? Et vous pouvez trouver cette idée partout les cosmologies du monde. N'importe pas. Quelle cosmologie? Il y a quelque chose de commun de l'idée d'unicité. On peut voir ça avec les Pachamama aux Amériques, avec les Andiens des Amériques. Et on peut voir dans l'islam l'idée de Tawhid. On peut voir cette idée partout. Et le christianisme, au début, a cette idée. Mais ça a été coupé avec Constantin. Il met en place le dualisme entre le monde matériel et le monde spirituel. Il fait une division. Et ça, c'est important pour le pouvoir romain. Parce que l'Empire romain a commencé à dire, nous sommes les représentants de Dieu en la terre. Donc, il a sacralisé le pouvoir. C'est ça qu'il fait. Ils sont sacralisés le pouvoir. Parce que le christianisme, toujours dit, il n'y a pas de pouvoir sacré dans le monde. Parce qu'ils sont de création humaine. Et Allah, il est au-delà. Non, Allah, pour parler avec les mots musulmans, non? Mais pour les chrétiens d'origine, il parlait de pardon, Dieu, il est au-delà. Il n'y a pas de. On ne peut pas dire, et c'est la critique prophétique qu'on peut voir de les juifs aussi. Mais aussi de Jésus. On peut voir la critique à l'Empire et à le pouvoir de l'État de l'Empire. Et donc, ils sont aussi domestiqués la figure de Jésus aussi. Pour mettre en place quelqu'un qui est, je ne sais pas quoi, pacifiste, qu'il est dehors de la politique, il est dehors de. Il fait de Jésus quelques figures neutrales pour rapport à l'Empire romain et des choses comme ça. Bon. Ils sont sacralisés l'État parce que pour pouvoir contenir le mouvement chrétien, si l'État s'identifie comme un État représentant de Dieu dans la terre, les chrétiens, si tu les critiques, tu es de côté matériel. Tu n'es pas du côté spirituel, c'est le dualisme. Et donc, tu es suspect d'être avec le diable, Satan.
Et donc, tu es brûlé ou crucifié. Donc, c'est ça. Le dualisme, c'est il interdit la critique. Parce que le dualisme met en place la sacralisation de l'État et de l'Empire romain. Et donc, toute la critique, ils vont être accusés d'être de côté de le monde matériel, mondain, que c'est le domaine de le diable. C'est pour ça que le dualisme, c'est très important. Et si vous faites du travail avec des choses de la nature que vous trouvez qui sont... vous découvrez quelque chose là qui commence à questionner les dogmes de l'Empire et de l'idéologie de la christianité. En anglais, on a la distinction entre christianisme et en espagnol... en anglais, on dit christianisme, christendom. Christianisme, c'est la spiritualité, christianisme. Christendom, c'est quand la spiritualité chrétienne devient l'idéologie d'État. Christendom. En français, je ne sais pas si on peut faire ça. L'institution, c'est l'institution de... Oui, l'institution, c'est Christendom, c'est le christianisme comme idéologie d'État. Bien? Qui fait une transformation dans la théologie très importante. Bien? Donc, on a là la structure avec ce dualisme. Si vous êtes un scientifique qui fait du travail dans la nature, vous découvrez des choses qui sont... qui commencent à questionner les dogmes hégémoniques. Vous êtes accusé d'être avec le diable. Et vous êtes brûlé ou vous êtes crucifié. Okay? Bien. L'Europe chrétienne tombe avec cette structure épistémique et politique dans une période de plus de 1000 ans d'obscurantisme. Okay? C'est ça qui a passé avec ça. Ils sont tombés dans un obscurantisme pendant 1200 ans, quelque chose comme ça. Bien? Bon, je n'ai pas le temps de discuter plus. Dans le 8e siècle, les musulmans arrivent dans le sud de l'Europe. Je n'ai pas le temps de discuter ça, mais il n'y a pas de conquête musulmane dans le sud de l'Europe. C'est une mythologie de la conquête de la monarchie chrétienne sur l'Andalus. Parce que la, quand on dit reconquista, la RLA, c'est quelque chose de défensif. On est conquis, on va reconquérir. Donc l'idée de la monarchie chrétienne, c'est de mettre en place l'idée qu'on est des victimes qui viennent à essayer de récupérer des choses qu'on a perdues. Bien? Mais ça, c'est une idéologie totalement, une invention, parce qu'il n'y a pas de conquête musulmane dans le sud de l'Europe. Je n'ai pas le temps de développer ça. Ça c'est trois ans que je peux parler du 8e siècle pour montrer que ça c'est une mythologie extraordinaire. Et j'ai toujours dit à les Espagnols, chaque fois que je vais à l'Espagne, jusqu'à le moment que vous ne détruisez pas, jusqu'à le moment que vous détruisez la RE, vous serez encore dans le cadre fasciste eurocentrique. Parce que la narrative d'histoire de la RE, ça va tomber toute l'histoire de l'Espagne, la R y la E. Hasta que los españoles no destruyan la R y la E, no van a poder salir del cuadro eurocentrista, imperial y racista. La R y la E es central a la mentalidad de los españoles hoy y de Europa hoy. La RE se centra a la mentalidad de la España y de la Europa. Es la idea de que on a été conquis por los musulmanes y que la guerra contra el Andalus se tuvo una guerra defensiva por recuperar de cosas que no ha perdido. ¿Comprenden? Pero esa es una mitología extraordinaria. ¿Okay? Pero si no hay de conquista musulmana en el sur de Europa, ya no hay tanto de europeza. On puede discutir eso después, si la verdad. Mais je vais partir de ces prémices. Il n'y a pas de conquête. Okay? Et même les musulmans que je les écoute parlent et ils répètent les mêmes concepts. Et je suis un peu étonné de voir ça. Comment est-ce que la colonisation arrivait aussi très fort que même les musulmans commencent à dire des choses comme ça? Hein?
C'est une chose extraordinaire. La colonisation, c'est une chose extraordinaire. Et bon. Et bon. Et dans le, ça continue. Le dieu de la, del dieu chrétien, c'est un mec avec de barba. Okay? C'est un mec avec de barba, un mec européen, blanc. Ça, c'est le dieu de la christianité, de la christianité, avec la idéologie d'État. Le Dieu, on va contraster maintenant quelque chose entre les deux civilisations, la Europe chrétienne et l'Europe musulmane. Okay? L'Europe chrétienne a l'idée dualiste. Yeah? L'Europe musulmane a l'idée d'unicité. Yeah? Avec la, le dualisme, les scientifiques, ils sont brûlés. Avec le, l'Europe musulmane, les scientifiques sont célébrés. Yeah? De le côté chrétien, vous ne pouvez pas faire des critiques d'État ou des choses comme ça à l'État. Même après le, la chute de l'Empire romain, quand l'Europe devient féodale partout, dans laquelle le seigneur féodal a en charge de la structure politique partout, que ça c'est une décentralisation d'État, le seigneur féodal va reproduire la structure de la christianité comme idéologie d'État, de Constantine. Il est sacré, il est représentant de Dieu en la terre. Okay? Dans le côté de sud de l'Europe, il faut rappeler que tout le sud de l'Europe, c'est musulman, tout le sud, c'est pas seulement l'Espagne. Okay? C'est tout le sud de l'Europe. Bon, dans le côté de l'Europe musulmane, il y a la notion de on a la structure dans laquelle Dieu est vu pas comme un homme, non? Parce que dans la christianité, c'est un homme dans un nuage qui a un camp, un camp, et surveille tout le monde, non? Et si vous faites des conneries, il te va à frapper à la tête, non? Et si vous continuez, il te va envoyer à l'enfer, non? C'est un Dieu qui surveille et punit. Surveille et punit. Dans le côté musulman, il n'y a pas, Dieu c'est pas un homme ou c'est pas représentable. C'est une force, création de vie avec intelligence. C'est une force qui crée de vie avec intelligence. Mais c'est pas représentable avec rien. Parce que même si nous sommes tous créés pour ça, la personne est ça. Vous comprenez? Ça a des conséquences politiques. Parce que si l'État est sacralisé, no? Avec la notion de dualisme, on ne peut pas faire de critique, on ne peut pas faire de science. Les philosophes, ils sont brûlés. Si vous êtes trouvé avec un bouquin d'Aristote, vous êtes brûlé. Okay? Même si maintenant, on écoutait de la fiction de que l'Europe vient de l'origine, c'est la Grèce. Ça, c'est un autre message de l'histoire. Mensonge d'histoire, parce que ça, c'est une fiction. Parce que pendant une période de plus de 1000 années, les Européens ne peuvent pas lire les Grecs. Ils sont interdits de lire les Grecs. Vous êtes brûlés si vous êtes trouvé avec un bouquin d'Aristote ou de choses comme ça. Donc, c'est l'idée que 1200 ans après, ils commencent à dire que les origines sont la Grèce. Comme s'il y a une continuité directe de la Grèce jusqu'à le 16e, 17e siècle. C'est une chose extraordinaire. Comment est-ce qu'ils ont inventé tout ça? Parce qu'on sait très bien comment est-ce que ça arrivait à l'Europe. Ça arrivait avec les philosophes musulmans. C'est comme ça que les Grecs sont arrivés. Parce que de côté musulman, les scientifiques et les philosophes, ils sont célébrés. Et comme l'État n'est pas sacralisé, il y a la possibilité de débat, de critique, de débat, etc., etc. Que ça, c'est pas possible de l'autre côté. Bien? Donc, il y a débat
de philosophie, débat de beaucoup de choses, de politique, de critique. Si vous allez à la Alhambra, vous pouvez voir que dans les murs de la Alhambra, c'est écrit partout. Ça, c'est le palace du sultan. Il écrit partout. La victoire, c'est seulement de Allah. Ça veut dire quoi? Ça dit quelque chose. On ne peut pas imaginer ça dans l'Europe féodale. Que la victoire, c'est seulement de Allah. Non, la victoire, c'est moi. Je suis le représentant de Dieu dans la terre. C'est la sacralisation, la idolâtrie de l'État. Vous comprenez? C'est une religion idolâtre qui met l'homme féodal avant l'empereur de l'Empire comme Dieu dans la terre, le représentant de Dieu dans la terre. Vous comprenez? De l'autre côté, ça, c'est pas possible. Parce que si vous faites ça, vous êtes dans le shirk, vous êtes accusé de shirk, non? De idolâtrie. Donc, c'est pas possible. Donc, dans le mur de la Alhambra, il dit partout. La victoire, c'est seulement d'Allah. Ça veut dire quoi? Que le sultan, tous les jours, est repelé. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Allah est au-delà de toi, ok? Il ne faut pas imaginer que tu es Allah. Et ça, c'est rappelé dans tous les murs. Okay? Vous avez visité la Alhambra, vous pouvez voir ça là. Ça, c'est pas possible d'imaginer l'Europe chrétienne de l'époque. Mais ça a des conséquences. Épistémologie, politique, etc., etc., parce que ça permet beaucoup de choses que de l'autre côté ne permet pas. On peut faire beaucoup de critiques à l'histoire de l'Andalus, bien sûr. Il y a des choses aussi problématiques. Je ne veux pas romantiser le passé, mais écoute, il faut mettre en place la différence entre les deux civilisations pour comprendre qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a été remplacé. Vous comprenez? C'est ça que je suis en train de faire. Je ne voudrais pas de que. Vous pensez que j'ai une vision romantique de le passé de l'Andalus. Il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'ils sont vaincus pour les chrétiens. Parce qu'il y a beaucoup de divisions, beaucoup de problèmes politiques. C'est pour ça que les chrétiens sont aussi à les détruire. Mais il faut comprendre que c'est détruit, que est remplacé. Dans l'Europe chrétienne, ce n'est pas possible la reconnaissance des droits de minorité. Si vous êtes juif ou si vous êtes musulman, vous êtes accusé de diable, vous êtes de l'autre côté, de le côté de le monde matériel, pas le monde spirituel, vous comprenez? Vous êtes de diable. Et vous êtes persécuté, vous êtes, etc., etc. De le côté musulman, il y a le reconnaissance de droits de minorité. Bien? Il y a la reconnaissance, il y a la coexistence de spiritualité. De l'écoté chrétien, l'État a la prétention de une population, un État, une identité. C'est la unité sans différence. La unité sans différence. Il faut que tout le monde ait de la même identité, spirituelle, etc., etc. La différence n'est pas possible. Si vous êtes différent, vous êtes suspect d'être de côté du diable. Et vous êtes brûlé, ou persécuté, ou des choses comme ça. Comprenez? De l'écoté musulman, il y a des reconnaissances de identité, il n'a pas la prétention d'un État, une identité, une population. Esa prétention n'existe pas. Il y a les droits de minorité, les droits de la coexistence de plusieurs spiritualités. Yeah? C'est pour ça que pendant des siècles, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les juifs, ils sont toujours échappés à la terre musulmane, dans la terre musulmane de l'Europe chrétienne. Ils sont échappés de l'Europe chrétienne juste vers la terre musulmane. Parce que dans la terre musulmane, ils sont des droits, ils sont reconnus, ils peuvent habiter, coexister avec les autres sans problème. Parce qu'il y a l'idée de unicité avec la différence, reconnue à l'intérieur de l'unicité. C'est l'idée de l'autre côté, c'est la unicité sans différence. Son dos concepción diferente de la unicité, ¿comprenden? Me sabe bien haber consecuencias políticas y de hecho como sea diferente, ¿no? Donc, la yo veo eso temen, ¿no? Cuando son en tren de conquistar el territorio musulmán y vienen y destruir esta coexistencia de espiritualidad e impose la logique de un État, une population, une identité. Yeah? Que c'est la identité chrétienne.
Bien. Et tous les autres sont tués, persécutés, etc. etc. C'est pour ça qu'ils sont échappés à le côté musulman pour pouvoir survivre de la colonisation chrétienne. Donc, les méthodes de colonisation utilisées pour les chrétiens contre l'Andalus, c'est. Il y a, dans cette logique que j'ai décrit déjà, c'est en première chose, c'est la notion de la encomienda. Ça veut dire quoi? C'est la notion de colonialisme de population. ¿Sabe? Ils sont en train de faire nettoyage ethnique. Le colonialisme de population a une caractéristique très particulière. Ils arrivent là-bas pour nettoyer uniquement la terre et ramener des familles chrétiennes du nord pour occuper la terre, exproprier les indigènes de l'accès à la terre, de la maison, de beaucoup de choses, et approprier toute la richesse des familles chrétiennes du nord. Ils sont expropriés, les musulmans et les juifs. Et les musulmans et juifs qui résistaient à ça, ils sont tués. Donc, et les musulmans et juifs qui sont qui ont survivre cette colonisation, c'est les musulmans qui sont forcés à la conversion. Si vous restez là, il faut convertir. Sinon, tu ne peux pas rester là. Vous comprenez? C'est ça la logique. Donc, et le colonialisme de population, c'est une méthode qui sont utilisées par toute l'histoire coloniale. Jusqu'à la Palestine aujourd'hui. Jusqu'à la Palestine. À la Palestine aujourd'hui, on peut voir les projectionnistes. Les projectionnistes reproduisent toute la logique de colonialisme de population que on peut voir au début dans la colonisation de l'Andalus. Cette colonisation de l'Andalus est très importante parce qu'il faut connaître très bien ce qui a passé là pour connaître les méthodes de colonisation qui sont utilisées après. Okay? Parce que toutes ces méthodes ils vont être utilisées dans la conquête des Amériques et après dans la conquête des mondes. Okay? Mais tout a commencé par là, pour la conquête de l'Andalus. Et pour la population musulmane de l'Europe, il faut connaître cette histoire très bien. Si on va faire des critiques à l'eurocentrisme, il faut connaître cette histoire très bien. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de connaissance de cette histoire. C'est une vision un peu romantique. Ce n'est pas une vision profonde. C'est ce qui a passé. Vous comprenez? Et c'est avec cette narrative de l'histoire qu'ils ont commencé à inventer que aujourd'hui parlons comme si sont de être universel, non? Comme si ils sont la vérité, ils sont la narrative historique eurocentrique, à mettre quelque chose dans la mémoire de nous que c'est terrible, parce que nous avons colonisé à nous-mêmes. Donc, dans ce moment-là, ils mettent en place l'encomienda. L'encomienda est un système d'exploitation de travail dans laquelle les musulmans qui sont forcés à la conversion, les moriscos, et les juifs qui sont forcés à la conversion, les marranos, ils sont mis dans la encomienda. L'encomienda, c'est quoi? La famille chrétienne qui va apropier la terre, et l'encomendero, c'est l'homme de la famille qui va à apropier la terre comme propriété privée, et ils sont mis dans une façon de travail coercitif. Les moriscos et les marranos. Ils sont expropiés et après ils sont mis à exploiter avec des travaux coercitifs. Okay? Et l'encomendero a une autre question, une autre responsabilité, c'est la conversion. Il va à surveiller la conversion. Il va à être certain que les moriscos et les marranos vont passer pour un procès d'évangélisation. Evangelización. Entonces, la encomienda es un sistema muy importante por hacer tu sal. La tercera cosa
dans la collection, c'est qu'ils ont brûlé toutes les bibliothèques. La bibliothèque de Cordoue, il faut dire que Cordoue, c'est la première ville de Lumière. Lumière, c'est pas Paris, ça c'est un autre message. La première ville avec des Lumières, c'est Cordoue. Il y a beaucoup des Européens qui sont arrivés là-bas pour voir ça. Parce que Córdoba. Córdoba. Un día en francés, Córdoba. Ok, Córdoba. Como en español. Córdoba es la primera ville avec des Lumières dans l'Europe. Okay? Il y a plus de 1 million de personas a Córdoba. Plus de 1 million. Dans le moment, la ville plus grande de l'Europe a 60,000 personas. Okay? De l'Europe chrétienne. 60,000 personas. De l'Écosse. Musulmán, la ville de Córdoba a plus de 1 million de personas. Il y a la bibliothèque a plus de 1 million de livres. La bibliothèque plus grande de l'Europe chrétienne, de l'autre côté, il n'y a pas de 1000 livres. 1 million de livres? Medio millón. Medio millón de libros. Un demi millón. ¿Ah? ¿Cómo dicen en francés medio millón? Cinq cent mille livres, ok? La bibliothèque plus grande de l'Europe chrétienne n'a pas de 1000 livres. Yeah? Moins de 1000 livres. La bibliothèque de Cordoue était brûlée. La bibliothèque de Granada a plus de 250,000 livres. Et il était brûlé. Yeah? Mais il faut dire que quand ils sont entrés de brûler les livres, il y a des personnes qui peuvent lire l'arabe, et ils sont là pour récupérer des bouquins qu'ils les trouvent curieuses. Par exemple, des choses techniques, des choses scientifiques, des choses comme ça, ils sont les mêmes de côté. Faut repérer ça, parce que je vais revenir à ça. Ils sont mêmes de côté. Donc, toutes les connaissances scientifiques, philosophiques, des choses, ils sont mêmes de côté. Et l'Église, approprie ça, c'est pas que l'Église va à donner ça à tout le monde pour savoir, non, c'est que le mettre de côté pour l'Église, l'autorité de l'Église, la hiérarchie de voir que c'est ça. Vous comprenez? C'est pas, c'est interdit, c'est seulement l'Église qui a l'autorité de lire ce bouquin. Donc, ils sont amenés dehors de Granada, dehors de Córdoba, ils sont amenés à Rome, à beaucoup de places. Donc, on voit un processus de nettoyage ethnique dans le langage aujourd'hui de la loi internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire génocide. Non? On voit là-bas la destruction de les bibliothèques. Je appelle épistémicide. Parce que la destruction des connaissances est très importante pour rapport à la colonisation. Si tu détruis les connaissances de l'autre. Aujourd'hui, on a un langage très, très bien pour dire ça. En anglais, on dit delete, on efface le programme de l'ordinateur et on met un nouvel programme. C'est ça la brûlée de bibliothèque. Vous effacer la mémoire et toutes les connaissances, toutes la narrative d'histoire différente. Et après deux, trois générations, les moriscos et les marranos, qui sont déjà chrétiens, ils vont effacer de la mémoire toute cette histoire. Vous comprenez? Et le conquérant va à construire une nouvelle narrative de l'histoire. De point de vue de son intérêt. C'est pour ça que c'est important de brûler les bibliothèques. C'est pour ça que. Donc, dans ce moment-là, on a le colonialisme de población, la encomienda comme le mécanisme et la destruction de connaissances. Okay? Et ils ont mis en place la idée d'un État, une identité, une population. Okay? Unité sans différence. Ça c'est le début
de ce qu'on parle après, avec le langage séculaire, comme déclaration. La déclaration, c'est une fiction, ça n'existe pas. N'existe pas la déclaration. La déclaration, c'est une fiction parce qu'il n'y a pas d'état dans lequel on peut dire que la population, l'identité de la population corresponde, va correspondre à l'identité d'état. Ça n'existe pas. Même le modèle d'état-nation, la France, ça n'existe pas là-bas. On peut voir tous les problèmes que la France a avec la différence à l'intérieur. On connaît ça très bien. Donc, imagine l'état-nation comme structure qui a été globalisée partout, ses prétentions fictionnelles. Ça crée plus de problèmes que solutions. Mais ça a commencé avec la conquête de l'Andalus. Avec cette idée de que l'État a une identité, toute la population, il faut avoir la même identité. Ça a commencé là-bas. Bon. Maintenant, on est dans la dernière part du 15e siècle. Et le seul espace qui reste de la civilisation musulmane sud de l'Europe, c'est Granada. Il y a une guerre de 10 ans pour la conquête de Granada. Bien? Dans ce moment-là, le discours de colonisation, c'est au nom de la pureté de sang. Pureté de la sang. Pureté de sang, on dit ça. Hein? C'est au nom de la pureté de sang. Utilise ce concept. Ces notions, dans ce moment-là, c'est proto-raciste. C'est pas tout à fait raciste. Parce que la notion de pureté de sang, ça veut dire quelque chose intéressant. Ça veut dire que l'État chrétien va faire un sondage de l'arbre généalogique de la famille, de toute la population qui sont conquêtes, pour voir qui a la pureté de sang chrétien. Ça veut dire, si vous avez chrétien pour 2, 3, 4 générations, vous êtes purement chrétien. Donc, il ne faut pas surveiller cette famille. Mais si vous avez quelqu'un qui est musulman, un grand-père, un grand-mère musulman ou juif, même si vous êtes chrétien, ils vont surveiller ce que vous faites. Parce qu'ils veulent assurer que les convertis ne simulent pas la conversion. Ils sont vraiment convertis. Okay? Donc, avec le permis de Foucault, je suis désolé avec Foucault, mais la biopolitique ne commence pas dans le 19e siècle. Okay? Il a commencé là-bas. Le 15e siècle. Mais Foucault n'est pas eurocentrique, il est francocentrique. C'est pire. Parce que, au moins, s'il est eurocentrique, au moins Foucault connaît l'histoire de l'Espagne. Mais il n'est pas eurocentrique, il est francocentrique, c'est pire. Donc, il pensait tout de même que le racisme a commencé dans le 19e siècle, que la biopolitique a commencé dans le 19e siècle, des choses comme ça. Mais il y a, dans ce moment-là, une administration de la population et de l'administration de la vie et la mort dans ce moment-là, que c'est tout à fait de biopolitique, déjà. Donc, ils sont en train de surveiller toutes les populations. Ils vont voir qu'est-ce que, si vous avez de famille musulmane dans votre arbre généalogique, va voir qu'est-ce que vous faites vendredi. Et si vous êtes juif, il va voir qu'est-ce que vous faites samedi. Et il fait la fête de porc pour voir qui ne mange pas le porc. Okay? Ils sont des mécanismes comme ça. Ils vont surveiller aussi si les sommes de la famille, les enfants, no? les garçons, si sont circoncisés, toutes les choses comme ça. Ils vont surveiller toute la vie quotidienne de la personne pour assurer si elles sont convertis vraiment ou non. Okay? Donc, en 1490 ou 1491, arrive
Christopher Colomb avec le projet d'entreprise des Andes. L'entreprise des Andes. C'est un projet, un document qu'il a préparé. Et il s'est réuni avec Isabelle la catholique et Ferdinand le catholique pour donner le plan, le projet. Et il essaye de convaincre le roi et la reine pour aller à la Inde, parce que dans ce moment-là, l'Europe, c'est, comme je dis, c'est très obscurantiste, très isolé, très pauvre, très... Il n'y a pas de richesse dans l'Europe. Dans l'Europe, dans ce moment-là, le seul truc pour l'Europe entre les empires européens, c'est la concurrence sur l'importation de produits de l'Asie. Parce que le centre de production matérielle du monde, c'est l'Asie. C'est par là, c'est la civilisation musulmane, les Chinois, les Indiens, par là. C'est là qu'il y a des productions matérielles dans le monde, c'est concentré là. Donc, la concurrence entre les empires européens, c'est qui va contrôler ça. Bien? Les Portugais sont allés pour le côté de l'Afrique. Bien? La Vénétie, de le côté de la Méditerranée. Mais par terre, les Ottomans, qui sont de l'autre côté, donc l'Espagne n'a pas de possibilité, à exception d'aller de l'autre côté, pour l'Atlantique. Bien? Dans ce moment-là, il faut dire que Colomb a une carte chinoise qui a la cartographie du monde. Ce n'est pas que Colomb, que tout le monde pensait que la Terre est plane et qu'il a risqué parce qu'il peut tomber dans un précipice, des choses comme ça. Ça c'est, écoute, vous allez, vous pouvez voir que j'ai commencé à parler et il faut... Arrêtez pour dire ça, parce que l'histoire, c'est comme ça, l'histoire eurocentrique. C'est beaucoup de mensonges comme ça. Écoute, dans ce moment-là, tout le monde savait déjà que la Terre est ronde, surtout dans la civilisation musulmane. Ils ont déjà démontré tout ça. Colomb est un. Fait de commerce avec des cartes. Il a beaucoup de cartes parce qu'il fait de commerce avec Descartes. ¿Cómo es que la un carte chinois que a la cartografía de monde? Parce que les Chinois ont fait ça déjà, mais la mission de Vatican, de l'église chrétienne, a ramené des maps de cette carte à Italie. C'est pour ça que tous les navigateurs de la conquête, ils sont tous de italiens. Magallanes, Vespucio, Colón. Parce qu'ils sont avec les mains secrets chinois. Bien? Ils savent où est-ce qu'ils vont. Ils savent très bien où est-ce qu'ils vont. Le problème, c'est que personne en Europe, dans ce moment-là, peut lire ces mains. Parce qu'ils sont ignorants des mots, ils sont isolés, ils sont dans un âge obscurantiste. Donc, Colomb a vu les mains. Ils savent que la Inde, c'est à côté de la Chine. Et dans ce map, Nord, Centre et Sud-Amérique, c'est une extension péninsulaire de la Chine. Ça veut dire que l'océan Pacifique est diminué. Vous comprenez? Ce n'est pas pour les Bering, pour les estrechos de Bering, comme on dit ça. Le détroit de Bering. C'est pas par là. Que connectait l'Asie avec les Amériques. C'est plus sud. Il apparaît comme une extension péninsulaire de la Chine. Mais on peut voir très clairement le nord-sud et centre. Nord, centre et sud-amérique. C'est très clair. Les montagnes de les Andes, c'est extraordinaire de voir ces maps. Mais comme personne connaît, qu'est-ce que c'est ça? Colomb a vu ça. Il dit, ah, la Inde. Il a pensé que ça, c'est la Inde. Comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette erreur de Colomb et avec cette ignorance de l'Europe, qu'aujourd'hui, on dit los indios d'Amérique latine, parce que quand il arrive là-bas, il appelle los indios.
Si va a penser, qu'il est à la ande. Comprenez? Donc, il va avec ses mains, avec la carte, il convainc le roi et la reine de faire ce projet. Mais la reine a dit, il faut attendre jusqu'à la chute de Granada. Parce qu'il faut, premièrement, unifier tous les territoires péninsulaires avec la couronne monarchie chrétienne castellane. Et après, on peut aller à la Hande. Mais non, il faut attendre. Et Colomb s'est déplacé à Santa Fe, que c'est quelques kilomètres au sud de Granada. Il s'est établi là-bas, parce que c'est la place à laquelle l'armée chrétienne il est là, pour entrer à Granada. Bon. Le 2 janvier 1492, c'est la chute de Granada. Okay? Le roi et la reine Isabelle et Ferdinand, les catholiques, ils sont arrivés là-bas et prendre l'Alhambra et mettre l'Alhambra comme son centre impérial. Okay? 9 jours après, le 11 janvier 1492, arrive Colomb à un salle de l'Alhambra et il se réunit avec la reine Isabelle. Et c'est là qu'il a l'autorisation royale, réelle, et il a aussi l'argent pour faire le projet de l'entreprise de Santa. Bien? Il a l'autorisation. Bien. Ça, c'est le 11 janvier 1492. Le 12 octobre 1492, il arrive aux Amériques. Bien? Une autre partie de l'histoire, c'est que dans le même moment, les Portugais commencent la colonisation de l'Afrique. Dans le même moment, ils commencent à coloniser l'Afrique. Parce que comme ils sont allés jusqu'à la Hande, ils mettent entrepôt colonial pour toute la côte de l'Afrique. Yeah? Et aussi commencent à esclaviser les Noirs de l'Afrique. Les Africains commencent à les esclaviser. Effet de plantation et des choses comme ça. Bon, dans l'exil colonial de Portugal à l'Afrique. Bien, toute cette histoire est en train de passer. Colomb, le premier jour, quand il arrive là-bas, il met dans son journal. Il descend de l'élévateur, une heure, deux heures, il arrive à l'élévateur, il met là, ils sont des peuples sans religion. Ça, c'est très pareil, les anthropologues occidentaux aujourd'hui. Hein? Qu'arrive, ils vont 2 semaines à un pays de tiers-monde, et 3 mois après, ils ont écrit quelques bouquins sur la culture, sin correr, rien de tout. Colomb a fait de anthropologue. Il arrive là-bas, il est goût, il écrit 2 heures après, il n'a pas de religion ici. Yeah? Jusqu'à ce moment-là, la idée de la pureté de sang, c'est qu'il faut surveiller, mais les personnes qui ont des familles non chrétiennes, pour voir si sont simuler la conversion ou non. Mais si vous passez la preuve, vous êtes part de la communauté chrétienne. Bien? Donc, ça c'est une façon de discrimination religieuse médiévale. Ça veut dire, vous avez les dieux trompés, vous avez la théologie trompée, on n'aime pas ça, j'ai le vrai Dieu, je vais te convaincre, même pour la force, de que ça c'est le vrai Dieu. Et ça c'est quelque chose de discrimination médiévale qui vient de la cruzada. Depuis la cruzada, on a ce débat et ce parcours à l'Europe, non? Bon. Ils mettent là, ils sont des peuples sans religion. Si je dis aujourd'hui, ils sont des peuples sans religion, vous savez dire dans le 20e siècle que je dis qu'ils sont athées, non? Mais dans le 15e siècle, ça a une autre connotation très différente.
C'est pas qu'ils sont athées. Si tu dis, il n'y a pas de religion ici. Ce sont des peuples sans religion. Ça a une autre connotation. Parce que dans ce moment-là, dans l'imaginaire chrétien, tous les humains ont de Dieu. Ils sont, les humains ont de Dieu. Ça, c'est bien. Mm-hmm. Ils sont de Dieu. Non? Ils sont de religion, ils sont de... Même si vous avez le Dieu trompé, mais tous les humains ont des religions. Tu as le Dieu trompé, je vais te convertir, même pour la force, parce que tu es un humain. Tu as compris? Dans ce moment-là, quand tu dis peuple sans religion, ça veut dire que si tu n'as pas de religion, tu n'as pas de Dieu. Si tu n'as pas de Dieu, tu n'as pas de âme. Et si tu n'as pas de âme, tu es un animal. Un animal dans la nature, comme un cheval ou comme un vache. Et ce n'est pas un péché dans les yeux de Dieu si tu le mets pour la force à travailler. Il n'y a pas de âme. Ça veut dire, tu le esclavises. Si tu le esclavises, c'est comme esclaviser un vache ou un cheval, ou chose comme ça. Ce n'est pas un péché dans les yeux de Dieu. Il faut faire cette histoire parce que sinon écoute, on va écouter chaque message. Par exemple, un des grands messages aujourd'hui, c'est de penser que le racisme existe depuis Adam et Ève. Adam et Ève, que le racisme existe toujours. Si existe toujours, c'est une chose universelle. Si c'est universel, c'est nature humaine. Et si c'est nature humaine, il n'y a rien à faire. À l'exception d'être certain que vous êtes sous la hiérarchie, pas bas. Vous comprenez? Mais ça, ce n'est pas des choses naturelles. Il y a un moment historique dans lequel le racisme a émergé. C'est ça l'histoire que je suis en train d'expliquer. Bien? Dans ce moment-là, la question c'est que les Indiens des Amériques, ils n'ont pas des armes. S'il n'y a pas de sang, ils sont comme des animaux. Bien? Ça commence, ça va commencer un débat qui va durer 60 ans. Dans toute l'Europe, parce que ça va à passer pour toute l'Europe avec les réseaux de l'Église. Ça va, tout le débat va être écrit en latin. Latin. Ça, c'est la langue franca à ce moment-là. Et ça va passer à l'Allemagne, à la Belgique, à la France, à l'Angleterre. Et tous les autres empires sont comme ça, en train de voir qu'est-ce que les Espagnols ils sont arrivés à faire. Parce que tous les autres empires sont observés qu'est-ce qui passe là-bas, qu'est-ce que ces gens qui sont trouvés là-bas. Bien? Et ça, c'est un débat. Dans ce débat, il y a des groupes qui disent clairement qu'ils ne sont pas des peuples sans âme, ils sont comme des animaux, des choses comme ça. Il y a de l'autre côté des voix à l'intérieur de l'Église qui vont commencer à questionner l'Empire espagnol et dire écoute, il y a des choses bizarres ici, parce que ici, et si ces gens là-bas ont des âmes, c'est un péché. Qu'est-ce qu'on fait? Toute la coercion, toute l'esclavisation, toutes les choses qu'on fait là-bas, ça c'est des péchés. Donc on va aller à l'enfer. Donc il faut questionner qu'est-ce qu'on fait. Et ça commence un débat. Il y a des personnes qui disent non, ils sont ils sont des humains, ils sont les tribus. La tribu de premier exil d'Israël, dans l'Ancien Testament de la Bible, de la Biblique, qui sont échappés, ils sont perdus là-bas. Donc, ces tribus sont là. Okay? Et des choses comme ça, des débats comme ça. L'Empire espagnol, bien sûr, ils ont commencé à esclaviser tous les Indiens, exploiter le travail, des choses comme ça, la mine d'or, mine d'argent. D'exploration de minéral. Bien. Ce débat va commencer en 1492 avec le journal de Colombe.
jusqu'à 1552. 1552. 60 ans. Bien. Et dans 1552, l'Empire espagnol met en place une discussion dans un tribunal. Parce que le débat n'est pas terminé. Donc, l'Empire met dans un tribunal la décision de savoir okay, qu'est-ce qu'on va faire, ils sont des armes, ils ne sont pas des armes, etc., etc. Dans ce moment-là, l'autorité, dans la jurisprudence, mais aussi dans le savoir, dans la connaissance, c'est dans l'Église chrétienne. Ça, c'est l'autorité de l'Église. Donc, l'Empire met ça dans un tribunal théologique chrétien. Le tribunal va a discutir si la conquista de América se justifió o no. Yo no sé si vous connaissez, pero esa es la controversia de Valladolid. Es muy importante porque tiene una importancia histórica mundial. Porque por el próximo 400 años, 450 años, hasta hoy, estamos en la dérive, ¿no? De cette histoire de la controverse de Valladolid. C'est pas terminé la controverse de Valladolid. Ça a commencé quelque chose que n'a pas terminé. On a d'un côté Gine Sepúlveda qui va dire beaucoup de choses, il va dire écoute, ils sont de ça c'est l'espace beat, il va à prendre la position de côté de Peuple sans âme. Yeah? Il va dire, il s'assied espace vide, il n'y a pas de humains là-bas, donc on est justifié dans les cieux de Dieu de approprier tout. Il va dire que les Indiens, ils sont comme des barbares, comme des animaux, parce qu'il n'y a pas de concept de propriété privée. Ils sont organisés la production de manière collective. Il n'y a pas de concept de marché, parce qu'ils sont distribués la richesse avec des mécanismes de réciprocité. Il va dire que c'est comme des animaux. Donc, on est justifié de passer le concept d'espace vide. Ça va, le concept d'espace vide va continuer pendant toute l'histoire coréenne. John Locke, le philosophe anglais, a développé la théorie et après, jusqu'à George Bush et Ariel Sharon, on a la notion d'espace vide. Esa noción ha comenzado a ver Sepúlveda. ¿Ya? Es la noción de pueblo sin religión, sin alma, sin alma. Bueno, del otro côté, on a la logique de Sepúlveda, se llama logique capitalista. ¿No? Il faut rappeler que en 1492 ha comenzado la expansión colonial europea, o sea, América, la construcción de un marché mundial capitalista. Bueno, del otro côté, Bartolomé de las Casas. No sé si vous avez écouté ese nombre. Bartolomé de las Casas, que va a defender en ese tribunal, les Indians. Y va a decir, ils sont des armes. Mais ils sont de barbares a cristianizar. ¿Bien? La diferencia entre Sepúlveda y las casas se pasa en la cuestión de barbarie. Y son de acuerdo que son de barbarie. De un côté, Sepúlveda va a justificar la esclavización. Del otro côté, las casas va a decir no, porque si son des armas y son des humains, y faut les cristianizar. Se sabe. On a déjà les dos discursos de Occidente por rapport al non-occidente. ¿Y se opone al esclavagismo? ¿Ah? Y se opone al esclavagismo de Sandián. ¿Ok? Se opone al esclavagismo. Ese debate, ese tribunal va a haber de consecuencias históricas mundiales. Porque ese tribunal, en el 19 siglo, cuando la autoridad de la conocencia pasa de la iglesia a la nueva religión que se llama la pseudociencia, que es una nueva religión, basada en la secularización
de tout l'imaginaire et la théologie chrétienne dans le projet de la science moderne. On peut voir là la sécularisation de le discours de Sepúlveda. Peuple, sang, âme, va devenir dans le 19e siècle avec la science naturelle et la biologie. Peuple, sang, le ADN humain. Okay? Le peuple, sang, âme, à peuple, sang, la génétique humaine. Si la ADN humain. Okay? Le discours de las casas, barbar a cristianiser, va a devenir dans le 19e siècle avec la science sociale et l'anthropologie, primitif à civiliser. Okay? Donc, on a les deux discours d'Occident par rapport à le non-Occident. Le côté de le discours biologisant, de infériorisation biologique, et l'autre côté, l'infériorisation culturelle. Le côté de las casas, c'est le discours de la mission civilisatrice. Le côté de Sepúlveda, c'est le discours de la infériorisation raciale de tout le monde par rapport à les Européens. Les Européens sont supérieurs racialement. Yeah? Donc, sont deux discours qui vont être mélangés, sont les deux discours qui sont utilisés pendant des siècles pour l'histoire coloniale jusqu'à aujourd'hui. On est encore dans ce cadre. Sepúlveda en las casas son encore libres. Okay? Son libres, le pensé de las casas de Sepúlveda. Entonces, on a la decisión de ese tribunal, que son decididos, même si en el long terme la posición de Sepúlveda ha ganado el debate, en el court terme la posición de las casas ha ganado. Y son decididos. Quoi? Sont des idées qui sont des humains, donc, mais ils sont des barbares, donc il faut les christianiser. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont à déplacer les Indiens. Vous pensez qu'ils vont les libérer de la colonisation, ils vont être émancipés? Non, ils les passent de la esclavisation à l'encomienda. Vous rappelez l'encomienda, j'expliquais ça déjà. Ils vont utiliser les mécanismes de colonisation de la conquête à l'Andalus, ils vont les ramener à les Amériques. Et il va y avoir des encomenderos qui vont amener les Indiens dans une façon de travail forcé, à esclavage, mais forcé, et avec vigiler la christianisation. Barbara christianiser la position de la casa qui a gagné le tribunal. Donc, l'encomendero va à surveiller la christianisation. Donc, c'est une méthode de la colonisation de l'Andalus qui maintenant va passer à la colonisation des Amériques. Et maintenant, qui va faire le travail esclave? Ça va commencer l'histoire de kidnapper des Africains, hein? Mettre les Africains captifs dans des bateaux et les esclaviser aux Amériques. Ils ne sont pas des marchés d'esclaves, c'est des marchés de captifs. Ils ne sont pas des esclaves, sont des êtres libres qui sont kidnappés. Ils sont tués des millions de personnes tuées dans les procès de kidnapper, dans les bateaux et dans l'esclavisation de l'autre côté. Bien? Donc, dans ce moment-là, on a la esclavisation massive. C'est que les Portugais ont commencé déjà dans le 15e siècle. Ça va devenir quelque chose de massif. Parce qu'ils vont à transporter des millions d'Africains aux Amériques. Bon. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est brûler les bibliothèques de les Indiens. Méthode de l'Andalus, de la conquête de l'Andalus. Ils ont brûlé. Le codice et l'équipe, que c'est une manière d'écriture, que ce n'est pas le livre que on connaît, c'est d'autres manières d'écrire et d'archiver l'information de la connaissance. Il ne faut pas oublier que les Indiens de l'Amérique, ils sont des civilisations très, très avancées, plus avancées que les Européens dans ce moment-là.
aujourd'hui, on a une vision très pauvre, très distorsionnée de cette histoire, parce que les Européens ont écrit l'histoire après. Mais il faut lire les premiers colonisateurs qui sont arrivés là-bas. Il faut lire ce texte, parce que les conquérants, les premiers conquérants qui sont arrivés, tu peux lire les choses qu'ils disent, ils sont émerveillés. Hernán Cortés est émerveillé, parce que la ville des Aztèques a plus d'un million de personnes. La métallurgie, c'est avec de l'or. Tu peux imaginer une ville avec de métallurgie, architecture avec or. Pour un Européen, ça n'existe pas en Europe dans ce moment-là. Il y a d'ingénierie, il faut rappeler que les Mayas ont le calendrier plus précis de la planète dans ce moment-là, avec une capacité de prédiction de tout, d'éclipse, de tout, éclipse solaire, éclipse lunaire, etc. etc. Donc, ils sont des civilisations très avancées, ce n'est pas l'Europe de ce moment-là, c'est pour ça qu'ils sont, ils ont le désir de les conquérir, parce qu'il y a des richesses qui sont jamais vues en Europe. Okay? Et donc, ils sont allés là-bas avec, parce que Hernán Cortés était un soldier pendant la conquête de l'Andalus. Et ils sont allés avec tout l'imaginaire de la conquête de l'Andalus. Donc, tu peux voir dans le journal de Colón, toujours les moros, la comparaison de moros avec les andiens, des choses comme ça. Hernán Cortés, también, dans son lettre, à l'Ejois, qui a vu la mosquée de les Aztèques. Parce que le temple aztèque, il l'appelle la mosquée. Après, c'est l'imaginaire de la conquête de l'Andalus. Ils sont arrivés là-bas, tout ça. Donc, toutes les méthodes de colonisation de l'Andalus, ils sont extrapolées là-bas. Ça, c'est l'importance de connaître très bien l'histoire de l'Andalus, connaître très bien la conquête de l'Andalus, pour comprendre qu'est-ce qui est détruit et qu'est-ce qui est remplacé. Et après, on peut voir qu'est-ce qu'ils sont faits quand ils sont allés là-bas. ¿Tabú? Y pasé, es el mismo método que va a pasar por toda la historia colonial. Faut conocer esa historia. El problema es que hay de regiones del mundo que son colonizadas 200 años después o 300 años después. Pero si vos no conocés esa historia avant, a partir de 1492, el ancien siglo, y aparece con quelque chose nouvel. ¿Vos comprendés? Parce qu'ils sont arrivés. À la Syrie, dans le 18e siècle, dans les pays nord-africains, dans le 19e siècle, à l'Afrique, 19e siècle, etc., etc., vous comprenez? Donc, mais ça, c'est 300 ans après. Donc, tous les métaux, ils sont déjà développés avant. Donc, il faut connaître cette histoire. Vous ne connaissez pas cette histoire? Vous commencez dans le 18e siècle ou 19e siècle, vous perdez beaucoup de choses. Vous pensez que tout c'est des choses nouvelles. Non, ils ont essayé déjà toutes les méthodes de la colonisation. Ils ont essayé déjà avant. Bien? Bon. Mais on a parlé jusqu'ici de comment est-ce que les méthodes de colonisation de l'Andalus sont déplacées à la conquête des Amériques. Maintenant, on va parler de comment est-ce que la colonisation des Amériques va à répercuter ou va à influencer la colonisation de l'Andalus. Par exemple, les Moriscos, qui sont déjà des chrétiens, 200 à 5 générations, sont des chrétiens, dans le 16e siècle. C'est pas très important pour comprendre tout qui vient maintenant. Yo soy désolé por la persona que son sortis, porque es un momento clé de la discusión. Así que on va a preparar la tusa por arriver a quelque chose, ¿tabú? La menor, la influencia de la conquista de América sobre la conquista de Al-Andalus. ¿Qué es que va a pasar? Que los moriscos, dans le 16e siècle, ils ont commencé a decir que son de personas sans âme. Ça n'existe pas avant. Avant, c'est qu'ils sont des peuples sans âme, avec âme qu'il faut les christianiser, non? Maintenant, ils vont commencer à dire à les chrétiens, parce que les moriscos sont déjà nés et baptisés comme chrétiens, sont 200, 300, 400 générations, ils vont dire
Vous êtes, parce que vous êtes les descendants des musulmans ou les descendants des juifs qui sont des peuples sans âme, sont des personnes sans âme. Ils vont utiliser la narrative de la conquête des Amériques sur les indigènes là-bas. Ils vont les déplacer à la péninsule ibérique pendant la conquête d'Andalousie, vous comprenez? Donc maintenant, ça va avoir une mutation discursive par rapport à tous les discours islamophobes et judéophobes de le Moyen Âge. Ce discours de discrimination religieuse médiévale, maintenant, va devenir racial. Parce que maintenant, avant, vous avez le Dieu trompé, le Dieu inférieur, vous avez le Dieu inférieur, vous avez la théologie inférieure. On va les convertir, même pour la force. Okay? Maintenant, le 16e siècle va à faire une mutation discursive. Il va, maintenant, les moriscos qui sont déjà chrétiens, ils vont dire, c'est que sont priés à les dieux trompés, priés. Voilà. C'est qu'ils sont priés à les dieux trompés, c'est qu'ils sont avec la théologie inférieure, c'est qu'ils ont prié à les dieux inférieurs, sont lui-même inférieurs. Mais non, les questionnements, c'est différent. Vous comprenez? Mais non, il n'importe pas comme si vous êtes baptisé pour l'Église, si vous êtes combien de fois vous allez à la église, à la messe, il n'importe pas, vous êtes inférieur, parce que le questionnement maintenant, ce n'est pas un questionnement théologique ou de Dieu, c'est sur la constitution physique de la personne, vous êtes inférieur, parce que vous n'avez pas d'âme, vous comprenez, vous êtes comme un animal. Donc, ils ont commencé à esclaviser les moriscos, même s'ils sont chrétiens. Okay? Ça, c'est le moment dans lequel les vieilles discriminations religieuses médiévales contre les musulmans et contre les juifs a devenu un discours racial. Ce n'est pas dans le 19e siècle. Ça a commencé dans le 16e siècle. Avec l'influence de la conquête des Amériques sur la conquête de l'Andalousie. Parce que la conquête d'Amérique a posé une nouvelle logique avec cette discussion de s'il y a des armes ou non. Et ça a sauté sur la question de le morisco à l'intérieur de l'Espagne, vous comprenez? Et ils ont commencé à dire les mêmes choses de le morisco. Mais avant, ça n'existait pas. Yeah? Ça, c'est une chose nouvelle. Donc, on a maintenant la formation de le monde moderne. Et la formation de le monde moderne s'est formée à partir de la colonisation, les génocides, l'épistémicide, la infériorisation raciale de les jefes de monde. Dans le 16e siècle, on peut voir ça très clairement. Ça a commencé là-bas. Bien? Le discours de purité de sang va changer maintenant. Parce que maintenant, purité de sang, avec la conquête des Amériques, quand ils utilisent ce mot là-bas, ça n'a pas la même signification que dans la conquête de l'Andalus. Parce que si vous n'avez pas d'âme, vous êtes un animal. Donc la purité de sang, c'est une autre chose, c'est le humain et le non-humain. Ce n'est pas le Dieu trompé et le Dieu. Correr. Son otras cosas. Entonces la purité de sang, ça va a devenir un discurso racial. ¿Bien? Ça va a continuar. On va a haber un 300 genocidio epistemicida que va a pasar en el mismo momento. Que será en el mismo momento. Es extraordinario que vamos a pensar. Y es la conquista de femmes dans l'Europe. Y la
une, une histoire de conquête des femmes qui sont accusées de, de sorcières et sont brûlées. Ils sont brûlés. Vous avez perdu quelque chose maintenant que peut donner de confusion à vous pour les prochaines de tous les jours. Donc j'ai invité à quelqu'un de peut-être expliquer parce non, que. Je me débrouillerai, faut pas s'arrêter. Pardon, pardon. Je me débrouillerai, faut pas s'arrêter pour moi, vous pouvez continuer. Oui, d'accord. Parce que on a parlé tout, de la méthode de conquête d'Andalousie. No? Mm-hmm. Comment est-ce que ça a influencé la conquête de Saint-Marie? Mais non, on a reverti l'équation et on a vu comment est-ce que la conquête de Saint-Marie a transformé la conquête de l'Andalus. Ça, c'est un pas très important, vous êtes d'accord? Oui. Sans ce pas, vous êtes perdu dans tout que je vais dire, mais non, je suis désolé. Mais il faut dire ça parce que c'est un pas essentiel pour comprendre tout que je vais dire maintenant. Donc, les femmes, c'est la conquête des femmes. Bien? La conquête des femmes, ils sont accusés de sorcellerie. Mais qui sont ces femmes? Ils sont des indigènes de l'Europe. Ils sont des indigènes, il y a des indigènes dans tous les planètes. L'Europe a des indigènes aussi. De indigènes, ça veut dire de. Autochtones, hein? Des autochtones de la terre de l'Europe. C'est pas la couleur de peau, ça c'est pas la discussion. C'est, même s'ils sont de blonds et de bleus yeux, la catégorie raciale en ce moment-là ne passe pas sur les couleurs de peau. Ça va venir après. J'expliquais déjà avec la esclavisation des Africains. On a parlé jusqu'à ici d'une façon de marquer la supériorité et infériorité sur la question de religion. C'est un racisme religieux. C'est pas un racisme encore de couleur. Ou scientifique, c'est autre chose. Mais on peut voir la structure d'humain et non humain, la déshumanisation. On peut le voir déjà. C'est un discours raciste. Cette discussion, si vous avez des armes ou non. Même la question, c'est déjà raciste. De questionner si un humain a des armes, o sea, c'est déjà une chose raciste. Mais dans ce moment-là, les femmes de l'Europe, ils sont brûlés, milliards et milliards de femmes accusées de sorcellerie. Ils sont des femmes indigènes de l'Europe. Les femmes indigènes de l'Europe qui ont des connaissances très importantes sur l'astronomie, sur la biologie, sur la médecine, sur l'agriculture, ils sont avec beaucoup de pouvoir dans la communauté rurale partout l'Europe. Et dans ce moment-là, dans lequel l'aristocratie européenne devient capitaliste mondial avec l'expansion coloniale européenne, ils sont une menace pour le pouvoir de l'époque. Ils sont brûlés parce qu'ils sont accusés de sorcellerie, ça veut dire des diables. Ils sont des diables. Yeah? Mais c'est une lutte politique pour le contrôle des savoirs et le contrôle des femmes et le contrôle de pouvoir. Ils ont beaucoup d'autonomie politique. Les connaissances les donnaient beaucoup de pouvoir à ces femmes. Ça c'est partout l'Europe, c'est pas seulement un pays ou un autre, sont des mille et mille et mille et mille. Il faut dire ça, l'Europe s'est construite, la modernité s'est construite à partir de trois génocides épistémiques. Dans le cas de les femmes de l'Europe, il n'y a pas de bouquin, c'est de transmission de connaissances orales de génération après génération. Vous comprenez? De génération en génération, il y a la transmission de savoir, n'est pas de boucan, donc les boucan sont les femmes mêmes, ils sont brûlés. Il n'y a pas de boucan à brûler, les boucan sont la femme même, ils sont brûlés. Yeah? Donc l'Europe s'est construite à partir
la dominación de l'Europe dans le monde se construyó a partir de trois génocides épistémiques dans le 16e siècle. Génocide épistémique contre les musulmans et juifs dans la conquête d'Al-Andalus, génocide épistémique contre les indigènes, les andiens et les africains dans la conquête des Amériques, et génocide épistémique sur les femmes européennes dans ce moment-là, accusées de sorcellerie. Ils sont des génocides épistémiques, les deux vont ensemble. Dans le XVIIe siècle, sans la mitié du XVIIe siècle, vous allez le premier philosophe reconnu comme la fondation de la science et la philosophie moderne, René Descartes. Il va à dire « Je pense, donc je suis ». Ça, c'est très connu. Hein? Le je pense donc je suis, il va dire que je pense donc je suis, il peut produire une connaissance équivalente à Dieu. Connaissance équivalente à l'action de Dieu. Il va dire que je peut produire une connaissance universelle dans le sens de au-delà d'une particularité. Il va dire qu'il peut produire une connaissance, il peut produire une connaissance universelle dans le sens de au-delà de espace et temps. Connaissance éternelle. Il va dire qu'il peut produire une connaissance objective comme neutralité, équivalent objectivité à neutralité. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, la université occidentalisée, il est encore dans le cadre cartésien par rapport à comme critère pour valider des sciences et non sciences. Okay? Ce critère de cartésien, il est encore là. Yeah? C'est universal, j'appelle ça un universalisme idolatrique. Parce qu'il se passe comme Dieu dans la terre. Okay? Et ce qu'il fait, c'est de séculariser les attributs de les dieux chrétiens, de la chrétienté que j'ai parlé, les dieux avec la barbe, qui est dans un nuage, avec un ken, qui est au-delà d'une particularité. Ces attributs, les attributs de ces dieux, il les extrapole à ces dieux, à les dieux. Il va dire que ces dieux peuvent produire une connaissance universelle dans les sens de au-delà d'une particularité, comme si c'est dans un nuage, no? Sans conditionnement dans la terre. No? Pour argumenter ça, il a besoin de deux argumentations. La première chose, c'est le dualisme ontologique. Il a besoin de le dualisme ontologique. Il a besoin de dire que l'esprit, c'est quelque chose, quelques substances différentes de corps. Donc l'esprit flotte comme le dieu de la christianité dans un nuage. Il n'est pas conditionné par le corps. Ils sont des substances différentes. Il faut argumenter ça pour pouvoir dire que ce dieu peut produire une connaissance depuis les cieux de Dieu. Qu'est-ce qu'il passe si l'esprit pense à partir d'un corps? Et si la substance de l'esprit, c'est la substance du corps. Ça veut dire que vous êtes conditionné par une particularité. Vous êtes dans le monde, vous êtes un humain. Vous naissez dans une société, dans une histoire, dans un moment de l'histoire. Vous êtes à l'intérieur de l'espace-temps. Vous ne pouvez pas produire une connaissance à partir des yeux de Dieu, parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a besoin du dualisme ontologique. L'autre chose qu'il a besoin, c'est de le solipsisme méthodologique. Ça veut dire, il va dire, le sujet va arriver à la certitude de connaissance à partir d'un monologue interne dans lequel le sujet possède questions, se répond à questions d'une manière monologique. Qu'est-ce qu'il passe si les humains produisent les connaissances dialogiquement? Ça veut dire, en dialogue avec des autres humains,
à l'intérieur des relations sociales avec les autres humains, pas avec un monologue comme ça. Si c'est comme ça, vous ne pouvez pas augmenter que vous êtes, votre connaissance, c'est les yeux de Dieu, parce que vous êtes dans une société, relation sociale particulière dans l'histoire. Vous ne pouvez pas argumenter que vous êtes au-delà de temps et espace. C'est pour ça qu'il a besoin du dualisme ontologique et du solipsisme méthodologique pour pouvoir argumenter que ce jeu peut produire une connaissance équivalente à Dieu. Mais cette arrogance, c'est un moment aussi, un événement comme la controverse de Valladolid, c'est un événement de conséquences mondiales, historiques mondiales. Pour la première fois dans l'histoire, on a une tradition de penser que se va penser comme Dieu dans la terre. Il va laisser de côté à Dieu, il va dire « Je suis Dieu ». Pour la première fois dans l'histoire, Dieu là-bas, « Je suis Dieu ». Il faut laisser Dieu de côté. Je suis l'autorité. J'ai l'autorité pour dire qu'est-ce que c'est réalité, qu'est-ce que c'est vérité et qu'est-ce que c'est mieux pour vous. Parce que j'ai une connaissance supérieure à vous, parce que mon connaissance est universelle. Il n'est pas conditionné par un corps, par un espace géopolitique, par rapport de pouvoir ou sociétal, parce que j'ai produit une connaissance équivalente à Dieu. Bien, comme si ce Dieu n'est pas situé dans le monde, comme si c'est dans un nuage, comme le Dieu de la christianité. Comprenez? C'est l'universalisme idolâtrique. La question qu'Enrique Duse, philosophe et théologien de libération latino-américaine, pose, c'est qui parle? Qui est Descartes? Depuis est-ce qu'il parle? Il met là il pose la question sur la géopolitique de connaissance. À partir de quel espace géopolitique dans le monde est-ce qu'il produit de connaissance? Au lieu d'accepter la prémisse cartésienne que de la substance, de l'esprit différent de corps, qu'il flotte dans l'air, il dit non, un moment. On est conditionné pour quelque chose, pour l'histoire, pour le corps, on n'est pas Dieu. Donc, il met la question, qui est Descartes? Depuis où est-ce qu'il parle? Okay? Depuis où? Il faut dire que Descartes est à Amsterdam. Il est français, mais il produit toute sa philosophie à Amsterdam. Dans le moment dans lequel Amsterdam, après la guerre de 30 ans, a déplacé la péninsule ibérique, de le centre du système qui a été créé après 1492, avec la colonisation, la expansion coloniale européenne. Maintenant, le nouvel centre va être Amsterdam. C'est le nouvel centre. Donc, le centre de ce système européen qui a été créé à partir de l'expansion coloniale 1492, cette histoire. Le nouvel centre va être déplacé de la péninsule ibérique à Amsterdam, à le nord-ouest de l'Europe. Okay? Ils vont commencer à inférioriser le sud de l'Europe par rapport à le nord. Ils vont commencer à dire toutes les choses que les Espagnols et les Portugais ont dit sur les Indigènes, les Africains, les musulmans. Ils vont commencer à faire la même chose avec les Espagnols et les Portugais. Dans le 18e siècle, Immanuel Kant, le très connu philosophe de la Lumière, dans son écrit Anthropologie, il va dire la raison est dans l'homme blanc nord des Pyrénées. La rationalité. Sous les Pyrénées, il n'y a pas de rationalité, ils sont mélangés des choses musulmanes, africaines, des choses comme ça. Donc, ils sont infériorisés. Il va utiliser ce mot, l'homme blanc nord des Pyrénées. Il va dire aussi que les hommes jaunes, les Chinois, les hommes noirs, l'Afrique, les hommes rouges, les indigènes d'Amérique, ils n'ont pas de rationalité. La raison, la rationalité, ils sont dans l'homme blanc, non de les Pyrénées, les montagnes,
que séparé le sud de la France de le nord de l'Espagne. Pourquoi les raisons, je crois. Hein? La raison. La raison, la raison. Non? La raison. La raison. Qu'est-ce que j'ai dit? La raison. La raison. La raison. La rationalité. La raison, on dit en français? Non, je me trompe alors. C'est ça, c'est ça. Vous avez compris, non? La raison. La raison, c'est un blanc nord de l'Épinée. Okay? Mais ça, c'est la division nord et sud de, la, de l'Europe. Okay? C'est une division importante. Donc, il faut rappeler ça. Donc, c'est que Enrique Dubsenti, philosophe de l'immigration latino-américaine, c'est que la condition de possibilité, c'est dommage qu'il a perdu. Mais. Parce que ce sont des moments clés de tous les discours que si vous les perdez, vous perdez tout. Vous allez perdre tout. Donc, ce sont des moments clés. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Et vous allez comprendre maintenant. Le philosophe. Le je pense dont je suis, le ego cogito cartésien, idolatrique, d'où se va dire la condition de possibilité de quelqu'un se penser comme le Dieu dans la terre et remplacer Dieu et mettre tous les attributs de Dieu à lui-même. C'est 150 années de je conquis dont je suis. Donc, le je pense idolatrique, la condition de possibilité de quelqu'un se penser comme ça, c'est le je conquis. 150 années de je conquis. Dans laquelle maintenant, ça c'est l'être impérial qui parle. L'être impérial. Donc, il va à situer à Descartes, il le va à situer, il va dire, c'est pas Dieu, c'est quelqu'un qui est être impérial, dans le moment dans lequel la Hollande a devenu le nouvel centre, et il fait de philosophie à partir de cet espace. Et il se passe comme Dieu dans la terre. Et je veux dire qu'il y a une médiation entre les je pense idolatrique et les je conquis. Parce que le je conquis, il n'a pas besoin que ça devienne un je pense idolatrique. Ce n'est pas nécessaire. Il y a quelque chose qui a passé pour médiation entre le je conquis et le je pense qui produit le je pense idolatrique. Et ça, c'est le je extermine dont je suis. Ça veut dire la extermination physique et épistémique de les trois génocides épistémiques de les 16e siècle a produit la traduction de les je conquis dans un je pense idolatrique, Dieu dans la terre. Parce qu'ils sont infériorisés dans ce je conquis avec les je extermine. Ils sont infériorisés tout le monde. Donc, c'est comme ça que le je pense a devenu idolatrique. Vous comprenez? Parce qu'il se pense maintenant comme Dieu dans la terre. Il a exterminé tous les autres connaissants et tous les autres cultures. Et dans le 17e siècle, quand il a écrit, il n'a pas besoin de dire. Ça, c'est l'homme occidental. Il n'a pas besoin de dire ça. Parce que dans le sens commun de l'époque, okay, dans le sens commun de l'époque, c'est déjà. Et il ne faut pas nécessaire de dire ça. C'est très clair que le je cartésien n'est pas musulman après la conquête de l'Andalus. N'est pas un juif après la conquête de l'Andalus. N'est pas un africain après la conquête des Amériques. N'est pas un indigène après la conquête des Amériques. Et n'est pas un femme, même un femme européen, après la conquête des femmes. Donc, on a des structures raciales et patriarcales qui sont constitutives de l'égé cartésien. Et c'est très clair qui reste.
C'est très clair qui reste. C'est l'homme occidental. L'homme blanc occidental. Qui maintenant a devenu le nouvel Dieu dans la terre. Et c'est la transition de l'Je conquis à l'Je je suis. Idolatrique, c'est l'Je extermine dont je suis. Sans l'Je extermine dont je suis, il n'y a pas de transition entre l'Je conquis et l'Je pense cartésien. Il peut avoir des conquêtes sans devenir ça. Pour devenir ça, la médiation, c'est l'Je extermine dont je suis. Ça veut dire la destruction de physique de millions de personnes et la destruction de les connaissances de toutes ces personnes-là. C'est comme ça que l'Je cartésien a devenu un jeu idolatrique que se pense non situé universalisme au-delà d'une particularité. Universalisme au-delà de temps-espace. Le privilège épistémique de dire qu'est-ce que c'est vérité, qu'est-ce que c'est pas vérité, et qu'est-ce que c'est mieux pour vous. Parce que si mon connaissance c'est supérieur à vous, je sais qu'est-ce que c'est mieux pour vous. Et n'importe pas qu'est-ce que vous dites que c'est mieux pour vous, ce que vous dites c'est inférieur à moi. Donc je vais essayer de convaincre à vous d'une manière pacifique, mais si vous ne comprenez pas, je suis désolé, il faut utiliser la force. Parce que mon connaissance est supérieure à vous. Donc je vais sauver vous de votre barbarie. Parce que mon connaissance est supérieure à vous. Non? Donc ce racisme épistémique, c'est déjà islamophobe. Au rapport à la conception raciste de ça que j'ai expliqué déjà. Por rapport a la influencia de la conquista de América, de Andalus. O sea, la mutación del discurso de discriminación religiosa medieval en racial, la de venir racial en el 16 siglo. Y ya expliqué, ¿sabes ya? ¿Cómo es que la narrativa de si vous avez des âmes o no, ha devenu de América hasta al Andalus por redefinir la discriminación religiosa anciana medieval? Contra el judío, contra el musulmán, la islamofobia y la judiofobia va a devenir racial en ese momento. Y no hay racismo avant. Se hace una manera de fazón de discriminación religiosa medieval que se pan con racismo y devenir racista en ese sentido. Entonces, se pan ser universalismo, ser epistemología, ser racismo y sexismo al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, darle la fundación de la universidad occidental. Que ça commence à Berlin, dans le 18e siècle, avec la université kantien humboldtienne. C'est la première université séculaire scientifique, etc. etc. Non? Ils sont depuis le début avec cette structure épistémique qui vient de les trois génocides épistémiques du 16e siècle. C'est pour ça qu'au début, c'est des hommes occidentaux, de nord de les Pyrénées, de Saint-Paris. La seule exception, c'est l'italisme. Pourquoi? Parce que l'italisme, c'est lié à la narrative de grandeza. De grandeur. De grandeur de l'Empire romain. Parce ils sont inventé une histoire après pour justifier la supériorité de l'Occident sur les autres. Ils ont dit que les Européens viennent de la civilisation grecque, après la civilisation romaine, après l'âge obscur, l'âge moyen, après les Renaissances et la Lumière. Toutes les sciences modernes, toute la philosophie moderne vient d'où? Vient de l'âge obscur et l'âge moyen. Mais il ne peut pas nommer ça. Vous pouvez voir qu'il a un nom grec et romain. Après, il n'y a pas de nom. C'est âge obscur, âge moyen. Après, il a des noms. Renaissance, lumière, etc. etc. Qu'est-ce qu'il passe dans cette période? Ça a un nom. Ça, c'est la renaissance de la civilisation musulmane en Europe. C'est une renaissance.
de science, philosophie et tout ça. Parce que dans ce moment-là, le sud de l'Europe est connecté avec un espace très loin avec la civilisation musulmane qui va depuis l'Atlantique, l'Afrique, sud de l'Europe, Moyen-Orient, sud de l'Asie, centre de l'Asie, est de la Chine, Indonésie, jusqu'à Mindanao dans la Philippine. Et ça, c'est un espace, pas seulement de changement économique de marchandises, mais aussi de connaissances. Donc, il y a des connaissances qui viennent de la Chine, de la Inde, de la civilisation musulmane, et vont d'un côté à l'autre. Dans ce moment, l'Europe chrétienne est isolée du monde. Il n'y a pas d'accès à ça. Mais même s'il y a d'accès, on savait déjà qui va de toute façon. Parce que les scientifiques là-bas ils sont brûlés. Il y a aussi de l'idéologie, non, qui ne permet pas ce développement. Donc, cette histoire linéaire s'est inventée dans le 17e et 18e siècle pour justifier une histoire de grandeur. Pour l'homme européen dit nous sommes supérieurs, pour dire ça, il faut cacher où est-ce qu'ils sont volés les connaissances. Par exemple, j'ai dit que quand ils sont en train de brûler les bibliothèques d'Andalousie, ils sont mis de côté de bouquins sur science ou des choses comme ça. Yeah? Toute la philosophie grecque arrivait là-bas, avec la philosophie musulmane. Abejoes, Abejush, non? Abejush, Avicina, etc., etc., qui sont Maïmonides, que c'est juif, mais c'est d'Andalousie, Avicus, que c'est musulman d'Andalousie, ils sont les aristotéliens, ils sont ceux qui ont développé la philosophie grecque, et la science grecque s'est aussi développée pour la civilisation musulmane. Et c'est comme ça que ça arrivait en Europe chrétienne. Donc, par exemple, ils sont volés pas seulement de richesse, mais aussi de connaissance. Bien? Il n'y a pas problème d'être influencé et apprendre de connaissances des autres civilisations, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est quand ils sont volés les connaissances, après cacher l'histoire pour argumenter que nous sommes supérieurs à vous. C'est le problème. Il n'y a pas de problème d'apprendre qu'il y a d'influence, non. C'est qu'ils sont volés les connaissances. Et après, Copernic, par exemple, on est encore en loup Copernic, comme si c'est l'auteur de l'idée dans laquelle la Terre, ce n'est pas le centre de l'univers, il va autour de le soleil. Il a volé tous ces connaissances de l'école de Bagdad qui, 600 années avant, a déjà démontré tout ça. Et on peut voir aujourd'hui la formule de Copernic et aussi les diagrammes, ils sont de Piaget. De l'école de Bagdad. Okay? Ils sont Piaget de l'école de Bagdad. Et ça, on peut voir ça dans le bouquin de George Saliba, l'historien de la science arabe, qui a produit des travaux excellents pour montrer comment est-ce que vous avez des choses comme ça, non? Comment est-ce qu'ils sont volés tout ça. Mais Copernic, c'est une métaphore, il y a beaucoup des autres. Tout la mathématique, tout l'algèbre, tout la. Écoute, beaucoup de connaissances que l'Europe a un grand débat à la civilisation musulmane. Mais qu'est-ce qu'il passe si vous nommez l'âge obscur et l'âge moyen civilisation musulmane? Tous les narratifs de la supériorité de l'homme occidental, c'est quoi? C'est cruel. Donc il faut ne pas nommer ça, il faut maintenir ça comme une chose et effacer de la mémoire de l'histoire. Comprenez? Pour construire un narratif de supériorité et infériorité sur les autres. La science est naturellement occidentale. La philosophie est naturellement occidentale. Les autres, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de science. Et on est dans ce cadre encore. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut aussi réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire d'une façon coloniale, eurocentrique. Il faut effacer de l'histoire beaucoup d'événements
comprenez? Pour pouvoir argumenter ça, il faut effacer, il faut mettre en place des modes de narratifs historiques qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Bien? Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui, le 20e siècle, on est encore avec cette épistémologie? Et la gauche occidentale, ils sont toujours avec ce cadre. Bien? Comment est-ce que aujourd'hui, avec la diversité culturelle, épistémique des mondes, avec l'Internet, que tu peux chercher beaucoup de choses et trouver beaucoup de choses là-bas, comment est-ce qu'on est encore dans cette structure? Ok? C'est pas seulement pour une raison purement épistémique. C'est aussi parce que cette épistémologie raciste, sexiste, qui a été construit à partir de le troisième génocide épistémique de le 16e siècle, ils sont mélangés avec la structure de pouvoir, avec la colonialité de pouvoir de monde. Okay? Ils sont mélangés avec ça. Parce que si mon connaissance est supérieure à vous, je sais qu'est-ce que c'est la réalité, je sais qu'est-ce que c'est la vérité, et je sais qu'est-ce que c'est mieux pour vous. Donc, on a passé dans le 16e siècle christianisé ou j'étais tout. Je sais que c'est mieux pour vous. Votre spiritualité est inférieure à moi. Il faut christianiser. Je vais s'agir pour méthode pacifique. Tu ne comprends pas, il faut le faire pour la force. Et s'il faut te tuer pour sauver votre âme de votre barbarie, je vais te tuer. Ça va être bon pour vous. Parce que votre âme va être sauvée. Ça, c'est la logique génocide déjà. Millions et millions et millions de personnes, ils sont tués comme ça. Au nom de christianiser, j'étais tout. Et christianiser, j'étais tout. Beaucoup, milliards de femmes tuées ici, des millions d'indigènes africains, de musulmans, de juifs, etc., etc. Okay? On a partout des millions de personnes tuées. 19e siècle, civilisate o te mato, civilisé o jete tu. Je sais que c'est le mieux pour vous. Vous êtes primitif. Vous êtes un obstacle à le progrès et à la civilisation. De civiliser, vous êtes tout. Bien. 20e siècle. Développer, vous êtes tout. Vous êtes sous-développé. Vous ne comprenez pas comment il faut développer. La recette est ici. Vous ne comprenez pas. Il faut mettre un coup d'état militaire pour mettre en place une dictature militaire de développementaliste. Organisée par les agences de l'intelligence occidentale par tout le monde. Au nom de développer, j'étais tout. La CIA a organisé beaucoup de coups d'état partout. Ce n'est pas seulement Amérique latine. Tout l'Afrique, tout l'Asie. Des millions de personnes tuées au nom de développer, j'étais tout. Je sais que c'est mieux pour vous. Mon connaissance est supérieure à vous. Pour développer, il faut faire ça, 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 ça. Il faut ouvrir toute l'économie à la capitale transnationale, à la capitale financière capitaliste, etc., etc. Il faut faire ça, ça, ça. Vous résistez, il faut te tuer. Parce que vous êtes un obstacle à le développement. Comprenez? C'est que vous dites que c'est mieux pour vous. Il n'y a pas de légitimation parce que c'est inférieur à moi. Cette structure se mélange avec la structure de pouvoir. En Indonésie, le premier mois de la coup d'État dans l'année 65, ils ont tué plus d'un million de personnes le premier mois. Plus d'un million de personnes mortes le premier mois après le coup d'État l'année 65 à l'Indonésie, organisé par la CIA. Et c'est comme ça pour tout le monde, c'est pas seulement l'Indonésie. Ils ont tué millions de personnes.
21 siècle, début du 20e siècle, on est là. Démocratiser, on y était tout. Mais non, toutes les dictatures militaires qui sont mises en place pour l'Occident même, au nom de développement, on y était tout. Mais non, ils ont dit, ah, vous êtes autoritaire, vous avez une culture autoritaire. Il faut que vous compreniez qu'est-ce que c'est la démocratie. Même si tous ces dictateurs sont mis en place pour les coups d'État d'organiser ou non, de développer, ou j'étais tout. Et aujourd'hui, ils sont en train de tomber les dictateurs au nom de démocratiser, ou j'étais tout. Et tous les dictateurs arrivent avec des tanks, avec des armes pour te enseñar qué es que es la democracia. La epistemología, c'est la epistemología racista, sexista, c'est dans le bas de tous les projets impériales coloniales dans le monde. C'est pour ça qu'il est encore là. Parce que c'est dans l'intérêt de l'Occident de mantenir ça et de mantenir les intellectuels de tiers-monde colonisés avec ces choses. Parce que le problème d'Occident, c'est pas aujourd'hui que c'est Occident là-bas, c'est que Occident est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est que Occident est à l'intérieur de l'étiers-monde aujourd'hui. C'est qu'il y a des élites occidentalisées, des intellectuels occidentalisés par tout l'étiers-monde qui sont au service de la domination occidentale du monde. Ça, c'est quelque chose fondamental. Et cette civilisation, comme les indigènes de monde, les aborigines du monde disent, c'est une civilisation de mort. Pas seulement parce qu'il y a plus de gens dans le monde que des autres civilisations, mais aussi parce qu'il y a l'idée dualiste de Constantin qui a été sécularisée avec Descartes, dans laquelle la nature est là et les humains y sont ici. Et la nature, c'est quelque chose extérieur à les humains. C'est le dualisme qui a commencé avec Constantin, qui devient scientifique avec Descartes. C'est le dualisme nature-homme, nature-humain. La nature, c'est un moyen pour une autre fin. Donc, cette rationalité, toute la technologie que vous construisez à partir de cette rationalité a à l'intérieur de la logique de la destruction de la vie. Parce que si la nature, c'est quelque chose dehors de nous, et c'est un moyen pour un fan, vous pouvez le détruire et ça n'a pas affecté nous. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas la notion d'unicité, c'est la notion dualiste. Il n'a pas la rationalité de la reproduction de la vie, il a la rationalité de la destruction de la vie. On ne sait pas si d'ici à 5 ans, si les humains vont à survivre la civilisation occidentale. On ne sait pas si d'ici à 100 ans, on ne sait pas. Les espèces des autres façons de vie que va survivre cette civilisation, on ne sait pas. Parce que cette civilisation est en train de détruire tout, même la vie humaine. On peut faire tous les critiques qu'on peut à la civilisation d'avant. Je ne suis pas romantique sur ça. Mais il n'y a pas de civilisation avant aussi destructif que cette civilisation. Et ça, les occidentaux les appellent progrès. Les appellent avancer. Avancer à quoi? Avancer à devenir la destruction de la vie. C'est ça l'avancer. Bon, je vais arrêter ici. All powered to the people.